bruit de la pluie sur le bitume en panne, d'essuie-glace, mon pare-brise pleure, mon humeur durcit la glace. Ceux qui disent le temps c'est de l'argent sont dans l'erreur. Si on met les zéros de côté, pas les heures. Je commande un café avant le texte. Oxmo, toi t'es malien, parce que t'es né au Mali. Mais après, t'es allé ailleurs. Moi, je suis malien, parce que je suis pas né au Mali, mais j'ai été sans arrêt au Mali. Donc, au fond, on s'échange notre malitude. Totalement. Donc, il y a 10 ans, j'avais écrit un roman où je racontais l'histoire d'une femme malienne qui essayait d'avoir un visa pour aller en France. Donc, elle racontait, au fond, qui elle était, pour savoir si la République française allait l'accueillir. Et maintenant, je voulais savoir quelles étaient les nouvelles du Mali aujourd'hui. Donc, je fais revenir mon personnage, Madame Ba, au Mali, où elle découvre les réfugiés, où elle découvre la vaillance, où elle découvre les gangsters, où elle découvre les jeunes, où elle découvre cette énorme vitalité, où elle découvre la musique. Parce que qu'est-ce qu'une nation? Ce sont des peuples très différents qui sont unis par quoi? Par un très grand fleuve, le Niger, et par des tisseurs. Et qui sont les tisseurs? C'est pas seulement ceux qui font du textile, des vêtements, mais ceux qui réunissent les cultures. Et qu'est-ce que fait une musique comme la tienne? Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai une admiration infinie pour toi. Tu es un tisseur de culture. C'est-à-dire, tu es un fabricant de république. Donc, pourquoi il faut lire ce livre? Parce que dans ce livre, vous verrez tout le respect que j'ai pour Oxmo Puccino. Alors, Eric, pourquoi il faut lire 140 piles? 140 piles parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on a un rapport à la lecture qui est plus effrayant qu'on ne le réalise. Écrire, ça prend. Lire, se déguste. Et c'est pour ça que j'ai choisi d'imprimer des petites phrases que j'ai l'habitude de poster sur mon compte Twitter. C'est des souvenirs de tournée, c'est des rencontres énormes, comme par exemple ce 18 octobre 2012, où j'ai rencontré Eric Orsenna, l'homme cyclopédie. Voilà. Oh. C'est pour ça, c'est-à-dire que je n'ai pas le temps de photographier tous les moments importants de ma vie, donc je les écris. Et pour moi, une phrase résume tout. Et donc toute ma vie, je lirai cette phrase et je saurai qu'à cette date-là, c'est le jour où je t'ai rencontré, tu vois. Et donc il y a des phrases aussi qui peuvent servir à lancer des réflexions, des débats, comme « Noyé dans l'insomnie, la nuit t'aspire, reste insoumise ». J'ai mis tout ça au masculin et au féminin. C'est magnifique ça. Méfiez-vous d'une question qui se pose trop longtemps. Joli. Avec des points de suspension joli. Encore. Ça fait du bien à l'âme là ce que tu dis. T'es un acupuncteur verbal. Tac, tu mettais l'aiguille, pof, tu réveilles l'énergie. Tu consoles, tu emportes. Le matin, majeur à midi, vieux des 20h, l'histoire oublie les héros, pas les vainqueurs. 365 jours, puis 700 le temps commence à manquer, tu l'espionnes. Commence à compter, tu te questionnes.